C'était juste pour que tu m'ouvres plus vite. Ah oui, mais tu sais, avant chez moi en Iran, quand on a frappé comme ça très fort à ma porte, moi j'avais très peur. Parce que, ben, un jour c'est arrivé et ma maman elle m'a dit, chut, il faut pas parler, il faut faire comme si on n'était pas là. Et j'ai dû rester très longtemps cachée sans faire de bruit. C'était qui? La police vous faisait peur? Ouais, mais on n'était pas méchants, tu sais. C'est seulement parce qu'on était des chrétiens. Et là-bas, eh ben, on est tout le temps surveillés. Et des fois, on doit aller en prison. Tu as dû aller en prison? Jérusalem, les croyants étaient poursuivis jusqu'à leur domicile par les chefs religieux. Pourquoi? Parce que les chefs religieux considéraient qu'ils n'appliquaient pas parfaitement la loi puisqu'ils avaient décidé de croire que Jésus était le Sauveur. Et les chefs religieux, eux, n'acceptaient pas la venue de Jésus comme le vrai Messie. Alors, un chef en particulier, qui était très zélé pour sa loi, du prénom de Saul, était en train de poursuivre les chrétiens, il se permettait même de se rendre jusqu'à leur domicile pour les arracher de chez eux, les emmener pour les faire condamner par la loi juive et les mettre en prison, parfois même les tuer. C'était un homme acharné qui était plein de haine et qui avait envie de tuer le plus possible de croyants pour faire disparaître cette nouvelle église. Alors les croyants qui avaient la possibilité de partir, malheureusement, pour beaucoup, ont décidé d'échapper à cette rafle et donc se sont mis en route pour quitter Jérusalem et se rendre vers de nouvelles villes, loin de cet homme hargneux, pour pouvoir se mettre à l'abri et protéger leur famille. On voit sur cette image une famille qui dit au revoir à ses amis et qui s'en va le plus discrètement possible pour ne pas attirer l'attention et pouvoir se mettre à l'abri à temps. Saul, de son côté, va trouver le chef de tous les Juifs, le grand prêtre, et il lui demande de lui remettre des lettres. Ce sont des lettres très spéciales avec lesquelles il aimerait pouvoir se rendre jusqu'à Damas, une ville qui se trouve à plus de 200 km de Jérusalem. Il ira trouver les chefs de la synagogue, cette église où se réunissent les Juifs chaque samedi, et il essayera de découvrir si les chrétiens seraient venus se réfugier jusque dans cette ville. Si c'est le cas, les lettres qu'il a demandées au grand prêtre l'autoriseront à les faire arrêter, à les emmener jusqu'à Jérusalem et là à les faire de nouveau juger et jeter en prison ou condamner à mort s'il en a la possibilité. Mais voilà, c'est un long voyage et Saul doit marcher plusieurs jours. Il se met donc en route avec d'autres personnes qui l'accompagnent. Et alors qu'il approche de Damas et qu'il voit déjà au loin les premiers murs de la ville, il est midi, le soleil tape fort, il fait très chaud. Quand soudain,
une grande lumière qui survient du ciel le frappe en plein visage ainsi que ses compagnons. Et Saul et ses compagnons sont jetés à terre. Ils sont très impressionnés parce que cette lumière n'est pas naturelle. Elle est plus violente que la lumière du soleil et ils ne savent pas d'où elle vient. C'est un phénomène tellement étonnant qu'ils sont terrorisés et ils n'osent plus bouger. Saul entend une voix qui s'adresse à lui. Cette voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est quelqu'un qui l'appelle par son prénom. Qui donc peut décider de le stopper net de cette façon ? Saul devine que c'est certainement Dieu qui lui parle. Mais comme il ne reconnaît pas le personnage qui s'adresse à lui dans sa vision, il est très très surpris et très effrayé. En effet, Dieu est en train de s'adresser à Saul. Pourquoi ? Parce que Dieu aime tous les hommes. Il s'adresse à Saul d'une manière assez musclée en l'arrêtant sur ce chemin de Damas pour lui faire comprendre qui il est. Pour nous aussi, Dieu nous aime chacun tel que nous sommes. Quels que soient tes sentiments ou tes pensées à l'égard de Dieu et de Jésus, Dieu t'aime, Dieu aimerait aussi se révéler à toi. Alors Saul, sur le chemin de Damas, lève les yeux et il pose cette question. « Seigneur, qui es-tu ? » Il aimerait bien savoir qui est en train de s'adresser à lui de cette façon. Et la voix, le personnage qu'il voit dans sa vision lui répond « Je suis Jésus. Jésus que tu persécutes, c'est-à-dire que tu maltraites. » Saul comprend tout à coup qu'il a fait fausse route. Et il se pose la question « Est-ce que c'est bien ce Jésus que les chrétiens reconnaissent comme leur sauveur et dont Étienne a parlé avant de mourir lorsqu'on l'a lapidé ?» Et que Étienne s'est écrié qu'il voyait Jésus dans le ciel debout. Est-ce qu'il voyait le même personnage que je vois là dans ma vision? Et si c'est le cas, est-ce que ce Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Dans ce cas, ça signifie que moi, Saul, j'ai combattu contre Dieu. Et Jésus lui dit, lève-toi. La lumière brillante qui vient de le stopper net sur le chemin de Damas l'a aveuglé à tel point que quand il rouvre les yeux, il ne voit plus le chemin par lequel il est arrivé, ni la ville de Damas dont il apercevait les murs précédemment, ni ses compagnons de route, ni même l'homme qui lui parlait dans sa vision il y a quelques instants. Alors il est obligé de dire à ses compagnons qu'il est totalement aveugle. En arrivant en ville, Saul n'est plus ce persécuteur menaçant qui venait avec des lettres sûr de lui et qui voulait accuser les chrétiens dès qu'il en aurait l'occasion. Mais voilà, c'est un homme tout faible, aveugle, tenu par la main, qui est conduit jusqu'à la maison où il va rester, être hébergé. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Saul va rester dans cette maison, sans manger, sans boire. Il va réfléchir. À quoi va réfléchir Saul ? Eh bien, il va penser à l'expérience qui lui arrive. Pour quelle raison est-ce que Dieu permet qu'il soit soudain aveugle de cette façon ? Saul doit reconnaître que Jésus est le plus important. Ce Jésus pour lequel il ne voulait pas du tout s'engager et qu'il combattait jusque-là, ce Jésus lui est révélé comme le Fils de Dieu. Et Saul est obligé de reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il doit accepter que Jésus devienne son sauveur. Alors Saul accepte de faire cette démarche, c'est ce qu'on appelle la conversion. Il change complètement de point de vue. Jusque-là, il considérait que Jésus n'était pas Dieu. Maintenant, il considère que Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui vient pour le sauver. En découvrant que Jésus est son sauveur, Saul enfin réalise que ses péchés sont pardonnés par le sang de Jésus et qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit par ses propres œuvres. Et Saul se met à réfléchir et il se dit « Si vraiment j'accepte ce Jésus, alors ça va changer beaucoup de choses dans ma vie ». Ça signifie que je vais devoir m'excuser auprès des chrétiens que j'ai combattus, que j'ai brutalisés, que j'ai fait jeter en prison. Ça va être une nouvelle façon de vivre. Et Saul, qui a toujours des lettres avec lui, qu'il avait reçues du grand prêtre, certainement qu'il prend ces lettres et il se dit ben, « je ne vais plus aller à la synagogue pour condamner les chrétiens ». Donc ces lettres, je n'en ai plus besoin, je peux les déchirer parce que désormais, je vais être l'ami des chrétiens et plus leur ennemi. Le caractère de Saul commence à changer. La haine qu'il ressentait pour ses croyants et qui le poussait à les poursuivre jusque dans ses villes étrangères, cette volonté, cette motivation à les tuer, à les brimer, à leur faire du mal, tout ça a disparu. Et puis il se rappelle aussi que Jésus lui a fait une promesse. Quand il était sur le chemin de Damas, Jésus lui a dit «
Relève-toi, tiens-toi debout, je te suis apparu pour faire de toi mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui et proclamer ce que je te révélerai encore. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. » Alors la Bible nous dit que Saul se met à prier. Et certainement que Saul, à ce moment-là, demande à Jésus de faire de lui un témoin fidèle, un serviteur qui désormais puisse obéir à Dieu, lui plaire et avoir exactement le comportement et l'attitude que Jésus attend de lui. Alors toi aussi, si tu connais Jésus, tu peux te rappeler que si Jésus aime tous les hommes, si toi tu le connais, comme Saul à ton tour, tu peux aussi devenir un témoin. Jésus nous demande à tous de parler dans le monde entier de ce qu'il a fait pour nous. Et de cette manière, ce témoignage continuera d'être transmis. Chapitre 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et un peu plus loin, à celui qui nous aime. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. À celui qui nous aime. Celui, eh bien, c'est toujours de Dieu qu'il s'agit.
Mais comment est-ce que je peux affirmer que Dieu t'aime, toi que je ne connais peut-être même pas? Je connais très bien ma collègue Sandra, mais je pourrais pas dire avec certitude qui elle aime, ni surtout de quelle manière, si c'est un peu, beaucoup ou pas du tout. Mais pourtant, je peux t'affirmer sans aucun risque de me tromper que Dieu t'aime énormément. Dieu t'a voulu sur la terre, il t'a créé et il t'aime comme tu es. La Bible nous dit que tu es précieux aux yeux de Dieu. À celui, Dieu qui est au ciel, qui nous aime, nous qui sommes sur la terre. On essaye de le dire ensemble. À celui qui nous aime. Cet amour, Dieu nous l'a prouvé en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre juste pour nous faire une petite visite. Hey, salut, coucou, comment vas-tu? Et puis hop, retour au ciel. Non, Jésus est venu sur la terre en sachant combien son amour allait coûter cher. Il était prêt à donner sa vie pour toi sur la croix, pour rétablir la relation entre Dieu et toi. Cette relation qui avait été coupée à cause du péché, de ce qu'on fait qui désobéit à Dieu. Et Jésus a accepté de faire cela parce que lui aussi, il t'aime énormément. On le redit ensemble, à celui qui nous aime. Et ce qu'il y a de merveilleux, d'extraordinaire dans l'amour de Dieu, c'est qu'il est gratuit. À nous, il ne nous coûte rien. Pour Dieu, il a coûté très cher, mais il nous l'offre. Tu n'as rien besoin de faire pour le mériter. Rien besoin de faire ensuite en échange de cet amour. Tu as juste à l'accepter. Alors on peut le redire ensemble, oui, à celui qui nous aime. Dieu t'offre cet amour. C'est un cadeau qu'il veut te faire. C'est à toi de décider si tu veux le prendre, ce cadeau, ou pas. Ce cadeau, il est véritable, il existe, il est là. Mais toi, est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu vas l'ouvrir pour qu'il te soit vraiment utile? Pour ça, tu as juste besoin de dire à Jésus, « Ben oui, je reconnais que tout seul, je ne peux pas aller vers Dieu. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de profiter de cet amour que tu as montré pour moi en mourant cloué sur la croix. » Et Jésus va t'accorder la grâce de Dieu, son salut, son pardon. Alors on peut l'affirmer ensemble à celui qui nous aime. Et toi qui marches déjà en paix avec Dieu, eh bien tu peux apprendre à partager cet amour, à être témoin de cet amour en parlant autour de toi, à être témoin de cet amour en le partageant, en faisant du bien autour de toi avec l'aide de Jésus. Alors disons-le une dernière fois ensemble, à celui qui nous aime.